Je suis Antoine Payon, je suis journaliste depuis longtemps. J'ai beaucoup enquêté sur les questions de corruption, d'évasion fiscale, enfin toutes les choses qui blessent notre pays. Par ailleurs, je suis aussi j'ai été délégué syndical à la CGT pendant de très nombreuses années. Et puis militant politique, j'ai été militant assez longtemps au Parti Socialiste et puis depuis quelques mois au sein de l'Union Populaire, ayant rejoint d'ailleurs le Parlement de l'Union Populaire en décembre dernier quand il s'est constitué. Je suis candidat dans la première circonscription de Côte d'Or, c'est la partie nord-ouest de Dijon, avec quelques quartiers de la ville elle-même, mais aussi des quartiers populaires, comme par exemple la Fontaine d'Ouche. J'habite juste à côté de ce quartier. La première circonscription de Côte d'Or est une circonscription où nous avons des quartiers populaires importants, même assez décisif d'ailleurs du point de vue électoral traditionnellement, mais aussi des quartiers avec des personnes qui sont beaucoup plus aisées, donc une grande mixité sociale, une grande mixité aussi du point de vue des origines des personnes. Nous avons une population d'origine maghrébine qui est importante et qui compte beaucoup pour nous. À l'Assemblée nationale, quand nous aurons la majorité, je défendrai toutes les mesures d'urgence du nouveau gouvernement, dont le Premier ministre sera Jean-Luc Mélenchon. Nous avons tous en tête, bien sûr, la retraite à 60 ans, les prix sur les biens essentiels qui doivent être bloqués, toutes les mesures qui seront des mesures d'urgence sociale, et puis ensuite, rapidement, j'espère, des mesures d'urgence écologique aussi.